J'adore celui-là. Hé, pas. Tu savais que le petit-déj est le repas le plus important de la journée? Tout le monde le sait, ma chérie. Je crois qu'une peluche en plus serait de trop au trésor, ou ce sac va exploser. Oh, elle rentrera. Permets-moi d'en douter. Ouais, mais faut prendre son petit-déj assis, si on veut en sentir tous les bienfaits. Oh. Ça y est, c'est bon. Bonne chose de faite. Je tiens. Oh. Bien joué. Owen, ne mange pas ces baies sauvages. Qui te dit qu'elles ne sont pas toxiques? Ça craint rien, man. L'homme des bois me les a laissées. Et nous y revoilà. Le Yeti est vivant. Owen, écoute, imaginons pour un moment que ton homme des bois existe pour de vrai. Quel genre de fou serait-il? Un fou dangereux ou un simple doudingue? J'en sais rien. Quand je le reverrai, je lui demanderai. Bon, si tu veux savoir mon avis, il n'y a qu'un fou dans les bois et c'est toi, Owen. Tu peux croire ce que tu veux. Ok, chérie, tu peux ramasser tout cela? Oui. Papa, relax. C'est juste une convention sur les ours en plus. Ouais, je sais. Tu sais que c'est pour ta mère que j'y vais, voyons. Waouh! Regardez-moi ça. C'est ingénieux. À quoi ça sert, tout ça? Ben ça, c'est mon système de livraison semi-automatique ultra-rapide. Waouh! Il est facile à utiliser. Et ça, c'est quoi? C'est mon nouvel antivol qui fonctionne à l'énergie solaire.
Oh, waouh, ouais. C'est génial. Je t'ai laissé de l'argent sur la table. Ah, et une je crois bien qu'on y va. Pas faire pendant notre absence. Ah, passe-moi ça. Tout est là. Bonne chance à la convention, maman. Merci, chérie. Oh. Ok, en notre absence, c'est Lily qui commande. Ouais, je suis ta babysitter. Mais c'est toujours toi l'homme de la maison. Je t'aime. On vous appelle plus tard. C'est parti. Au revoir. Et revenez très vite. Tu remettras le lait dans le frigo, hein? Garder cette laisse la fera pas revenir. Ouais, je sais. Mais ça me fait du bien de la voir. Elle était vieille et malade. Les chiens meurent, Owen. Ils s'en vont comme nous. Alors, c'est bon? Ouais. Le mien, il est pas trop mal. C'est son avion. Ouais. S'il ne s'est pas fait arrêter. Ouais. Hey, ma sœur, circulez, vous m'empêchez de voir, ok? Excusez-moi. Ah! C'est moi, bande de crétins. Ah, Blacky! C'est vous pour de vrai? Eh, hey, depuis quand vous êtes devenue nonne? Oh, bouclez-la. Je suis là incognito. On est incognito ici, chef? Je croyais qu'on était à Chennai. Ça veut dire que je suis déguisé, bande de nazes. Oh! Ouais, c'est une idée de génie, ça. On vous aurait jamais reconnu, hein? Je vois. Les gars. Je vous présente le clébard qui vaut 1 million d'euros. Salut! C'est ça. Bon, fichons le camp. Avant que la flicaille se doute de quelque chose ou que le chien ait besoin de... On y va! On s'en va. Hé, hey, c'est pas notre voiture, ça? Juste derrière, patron. C'est une voiture, ça, selon vous? C'est une voiture de location. Quelqu'un nous a volé la nôtre. Vous auriez dû en louer deux, je crois. Une pour chaque pied. Pousse-toi de là. Dégage. Ouais. Salut, Megan. Salut, Owen. Qui est-ce, Megan? C'est rien, grand-mère, le livreur de journaux. Salut, Pixie.
Dis, Megan, je me demandais... T'iras au feu d'artifice demain pour la fête de l'indépendance? Peut-être. Alors, peut-être que je t'y verrai. Peut-être. Faut que j'y aille. Oh. Tout va bien. Tenez. Ah, c'est toi, Owen. Merci. Hey. Salut, fiston. Regardez qui voilà, tête de nœud. Comment va, tronche de cake? J'aime pas me battre, mais je me défendrai, Dexter. J'aime pas me battre, mais je me défendrai, Dexter. Qu'est-ce que tu faisais? Tu traînais autour de ma nana? Autour de qui? Megan Todd. Je suis allée livrer un journal chez elle, c'est tout. Ne t'approche pas d'elle, c'est clair? Qui t'a dit de t'en aller? Regardez ça. Tes vieux sont trop pauvres pour t'acheter un vrai iPod? C'est moi qui me le suis acheté, lâche ça. Avec l'argent de tes livraisons? Ouais. Avec tes journaux? Non, Dexter. Je dois les livrer, fais pas ça. Non, non, tout sauf mon vélo. C'est quoi ce truc? Encore une de tes inventions stupides? Fais attention, il est chargé. Ça sert à quoi? Comment ça marche? C'est où alors? Au fait, et ce vol, ça s'est bien passé? Ouais, c'était dangereux ou quoi? Que voulez-vous que je vous dise? C'est pas moi qui ai fait le coup. Je me suis contenté de réceptionner le paquet. On est juste des intermédiaires. Et le clébard alors?
Comment tu crois que le gars de la bijouterie a réussi à nous faire passer, les diamants et moi, les contrôles de sécurité? Le chien et le paquet. Compris? Ah, génial. Cool. Et alors, quand est-ce qu'on sera payé? Dès qu'on en aura fini avec la livraison. Ah. Et où on doit le déposer? Au relais routier de Thelma, route 16, à 130 km d'ici environ. Ça va, faut qu'on y soit à minuit. Il se passe quoi à minuit, chef? T'as le ciboulot qui se ramollit, mais c'est quoi cette question? Enfin, tu t'écoutes quand tu parles? Quelqu'un doit venir chercher le paquet. Qui? J'en sais rien et je m'en fiche, ok? Et comment ils vont savoir que c'est nous? Parce que le chien est avec nous, espèce de gros débile. Oh. Garde-toi quelque part, j'en peux plus de ce maquillage, moi. Hé, hey, c'est quoi ton problème? Oh, c'est dégueulasse. Ok, c'est bon, passe-moi le sac. Occupe-toi du chien, d'accord? Et surtout que personne ne s'en approche. Hé, patron! On fait les gros titres! Chut! Ne me montre pas ça! Je suis censé être aveugle, souviens-toi! Débarrasse-toi de ça, d'accord? Doucement! Du calme! Du calme! Excusez-moi, madame. Ce sont les toilettes pour hommes. Pour les femmes, c'est de ce côté-là. Ah, comme tu es gentil, cher enfant. Dieu soit avec toi. Les chiens, faut les mener à la baguette. Tout, 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 tout. Hey, il adore ça, regarde. Continue. Hein, t'aimes ça? Il adore la baguette. Stop! Arrêtez! Faites pas ça, vous le faites mal. Ah, ça va. T'approches pas trop. Ce chien mort. Les femelles sont pas commodes. Elle est assoiffée. Ça fait longtemps que vous lui avez pas donné d'eau. Je ne suis pas un larbin. C'est clair. Oh, boubou. Bon. T'aimes ça, la baguette? Oh, le boutoutou. T'aimes ça? Oh, le boutoutou. Il adore ça. Allez, au trois. Attention, chien. Hey, t'as vu ça? C'est un bon chien. Un bon chien. Attention. Oh, hey. Oh, c'est un dur à cuire, hein. Ce harnais est bien trop serré, enfin. Ce harnais est bien trop serré, enfin. Qu'est-ce qui vous arrive, grand-mère? On n'a jamais vu de nonne de sa vie? Oh. Que l'un de vous est avec le pervers qui est dans les toilettes. Mmh. Oh. Et toi là, éloigne-toi de ce chien. Du calme, patron. Le gamin donnait juste de la flotte au clébard.
donc. C'est très gentil, ça. Dans la voiture. Quoi? Non! Arrêtez! Non! Le chien! Ah oui, bien sûr, le chien. Rattrapez-le! Ne laissez-moi s'en aller! Rapportez-moi ce chien, mort ou vif! Tu peux t'en aller. Tu dois t'échapper. Sauve-toi. Où est ce foutu chien? Par là. Venez, suivez-moi. Toi, tu restes là. La forêt, c'est pas mon truc, patron. Il y a de drôles de bestioles avec de grandes dents. D'accord, on y va. Au travail! Vous en faites pas, monsieur, je la trouverai. Je connais ces bois comme ma poche. Je te préviens, je t'en colle une. Si tu le retrouves pas... Venez, elle est partie par là. Désolé. Qu'est-ce que tu fais? Désolé. Et toi, là? Ralentis. Faut que tu te caches. Vite. Je manque d'air. Moi aussi. Alors faisons demi-tour. C'est quoi ça? D'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez tous ces gris-gris et ces sortes d'épouvantails? Ce sont des mises en garde. Regardez. Bien, un truc prenez garde. À quoi? Aux écureuils? Non. À la ligne jaune. À la quoi? Là. De l'argile jaune. C'est comme ça qu'il délimite son territoire. Il? Une minute. Qui est-ce, il? L'homme des bois. Le cinglé d'ermite qui vit au sommet de la colline. Quiconque franchit la ligne jaune risque sa peau. Oh. N'importe quoi. Vous me croyez pas? Écoute, même si t'étais ma mère, je te croirais pas. Arte! Viens par là. Oh, pourquoi moi, patron? Hey!
homme des bois. Je viens de franchir ta ligne. Rapplique, Rapplique, sort de ton trou. Ouais, l'homme des bois. Qui est-ce qui va rire jaune maintenant? C'est juste des petits écureuils. Oh, il est trop chou, je l'adore. Oh. Allez, mon mignon, viens par ici. Approche, viens. Arty, tu lui feras un câlin plus tard. Ah oh. Ils apprécient pas qu'on soit sur leur territoire. C'est quoi cet endroit? C'est quoi ce truc? C'est un épouvantail. Je l'ai construit pour l'homme des bois pour protéger son jardin des oiseaux. Ah, t'es un génie en herbe. Mais tu ne me fais pas peur avec ton homme des bois à la noix. Il fait tout pour nous éloigner de ce sale chien. C'est tout à fait ce que je me disais aussi. Je finirai par t'avoir, tu entends? Et le chien aussi! Et quand je vous tiendrai... Vous nous aurez pas! Oh, patron, du calme! Ma belle. Je suis là pour t'aider. Tu peux me faire confiance, je te le promets. Ok. Viens, je sais, on peut se cacher. N'aie pas peur. L'homme des bois aime les chiens. J'espère. Reste ici. Allez, suis-moi. Ça, c'est Moulin Parole. Et là, c'est Pipelette. C'est leur arbre. C'est pour ça que j'ai fait des marques avec de l'argile jaune. C'est une façon de ne pas l'oublier. Garde tes distances avec eux. Et touche jamais à leurs noisettes.
C'est bizarre, hein? Ça appartient à l'homme des bois. Suis-moi! Bienvenue dans mon fort. Tu peux tout voir d'ici. Oh, regarde ça. Là-bas. Regarde, c'est là où j'habite. T'as vu ça? Allez, viens. Je vais te faire visiter. Qu'est-ce qu'il y a, patron? J'ai cru entendre un cours d'eau. Une rivière. C'est la seule manière de sortir de cette jungle. Et comment est-ce que vous savez ça? Parce que j'ai été louveteau chez les scouts. Et juste avant qu'ils me flanquent à la porte, j'ai lu qu'en suivant un cours d'eau, on arrive toujours à un village. Quelle ânerie! Le ignorant se trouve les villages. Retournez-vous tout de suite! Oh, patron, non. Non. J'ai dit, retournez-vous! Tu vois, j'ai tout ce qu'il me faut ici. Et je tais-toi. T'aurais aimé Shadow. Vous auriez pu être amis. Depuis qu'elle nous a quittés, maman veut plus qu'on ait de chien. À cause des fichues allergies de ma sœur. Mais ça fait rien. Tu peux vivre ici. Lui, c'est le plus grand inventeur de tous les temps, tu sais. Léonard de Vinci. Et là, tu vois, j'ai dessiné quelques-unes de ses plus incroyables inventions. Et ça, là, c'est mon canon à balles de tennis. Je reçois pas beaucoup de visites ici. Et quand j'en ai une, c'est juste Dexter Klopp et sa bande de crétins. C'est pour ça que j'ai construit ce truc. Ils en ont une peur bleue. Non, reviens! Quelqu'un qui vaudrait mieux que tu rencontres pas, Villa. Surtout, t'approches pas de ce coffre, d'accord?
T'en as un chouette collier, dis. Ça peut pas être de vrais diamants. Pas de plaque, ni de maître, ni de petit nom. Alors je vais t'appeler Diamant. Qu'est-ce que t'as? T'inquiète pas, Diamant. T'es en sécurité ici. Ces hommes, ils nous retrouveront jamais. Ils savent même pas où chercher. De l'eau. J'ai soif. Bien, bien, bien. Le vélo du gamin. Owen P., hein? On sait quel est le nom de ce petit démon. Oh, zut! L'adresse est tout effacée. C'est une petite ville. Alors combien de gosses s'appelant Owen peut-il y avoir? Les enfants et les chiens sont assez inséparables, tu vois ce que je veux dire? Retrouvons ce gamin et on retrouvera le chien. Allons les chercher. Oh! Je veux cette sonnette! Ce gosse est une menace. C'est l'homme des bois qui l'a construit. Disons que c'est une sorte de boîte aux lettres. Je lui apporte de vieux journaux, comme ça il sait ce qui se passe dans le monde. J'ai entendu dire que c'était un monstre et qu'il travaillait dans un cirque. On payait pour le voir, tu te rends compte? Et un jour, il s'est réfugié dans ces bois. Pour être libre. Allez, ma belle. Il est l'heure de rentrer au fort. D'accord. Si quelqu'un vient, file dans les bois. Tu dois rester ici, d'accord? Si je rentre pas manger chez moi, ma sœur va flipper et appeler mes parents. Je dois y aller. Reste ici, entendu? Je reviens, c'est promis. Et là! Non! Oh. Oh, il est pas là! Désolé. Les enfants, approchez! Venez là! Il fait à peu près cette taille. Non, je vois pas. Ces sandwichs au piment sont super bons. Tu faisais pas un régime? Qu'est-ce qui cloche chez ce gamin? On dirait qu'il a aucun ami. Restez pas plantés là! Ça y est, c'est fait. Ils sont partis ce matin. Ouais, il n'y a que moi et mon petit frère, qui est assis dans son assiette. Une petite seconde. Il y a un chien qui vient d'aboyer? Non. Oh, c'est rien, j'ai cru. J'ai cru avoir entendu un chien. Et tu sais ce que ça veut dire pour moi? Une crise d'allergie. Ouais. Ouais. Hey. Non. Uh-huh.
sais. Ok, salut. Waouh, t'es un vrai chef. C'est vrai, ça? Tu disais pas que ma bouffe était plutôt dégueu? En général, elle est assez dégueu, mais... cette fois, elle était délicieuse. Ah ouais. Alors, je te resserre un tout petit peu? Oh, mon programme commence. Je suis censée y croire. Oh, maman nous a laissé des beignets dans le garde-manger. Attendons une seconde. On doit toujours attendre avant d'engloutir son dessert après manger. D'accord, voyons si je te suis. Ma cuisine t'aimait pas. Et maintenant tu veux attendre avant de manger le dessert pour en faciliter la digestion. C'est bien ça. Tu es mon petit frère ou... un extraterrestre qui vient de s'installer dans son corps, dis-moi tout. Je suis un extraterrestre. J'ai dévoré Owen il y a juste une heure. Comment t'as fait pour te mettre dans cet état? Et pourquoi tu sens le... le chien? C'est gentil, ça. Un chardon. Va donc prendre un bain. Je déteste les bains. Désolée, mais c'est moi qui décide. Et j'ai dit, va prendre un bain et enlève ce vêtement dégoûtant avant de tâcher le canapé neuf et que je me fasse engueuler. D'accord. Oh ! Oh ! Et savonne-toi bien. Oui, maître. Viens vite. Par ici. Viens, on doit monter à l'étage vite. Tiens-toi tranquille. Hé! Où tu t'es roulé? T'es plein de chardons. Faut faire attention, tu mets les pattes. À qui tu parles, Owen? À personne. Je chantais. La la la, la la la. Hé! Qui t'a dit l'entrée? N'utilise pas mon shampoing. D'accord. C'est à toi que je dois être allergique, Owen. On peut en acheter? Non, par contre, vous pouvez aller dans la voiture. Allez dans la voiture! Et toi là? Tu connaîtrais pas un certain Owen? Le champ est libre. Oh non, on a mouillé la moquette. Viens, suis-moi. Vol de diamants? Chut, tout doux, tout doux. Des diamants d'une valeur de 5 millions de dollars ont été volés. Il s'agit d'un vol avec effraction selon la première déclaration de la police. Une bijouterie du centre de Los Angeles, t'entends ça? Les voleurs ont choisi des diamants parfaitement calibrés et qui tiennent dans la paume de la main. Les forces de l'ordre n'ont trouvé aucun indice. Ils cherchent à localiser des suspects pour les interroger, dont une nonne de forte carrure, voire photographie ci-dessus, qui est entrée dans la bijouterie juste après le vol. Quelques secondes plus tard, la religieuse sortait de la bijouterie, guidée par un chien d'aveugle.
C'est toi? Eh ben ça alors. 5 millions de dollars? D'accord, je viens de comprendre pourquoi t'intéressais autant ces types. C'est pas toi qui veulent. Non, ce sont les diamants. On doit prévenir la police. Bien. Si t'avances l'heure des horloges, alors ils vont croire que tu rentres à l'heure. Ouais. Je sais, ouais. Oh, si, si, il te va très bien. Non. Ouais. C'est donc ici, au numéro 406. Jeter un œil derrière. Ok. Non, je peux pas y aller. Je dois rester à la maison et surveiller mon petit frère. Oh, c'est vrai? Et ton frère la met en veilleuse pour 10 dollars? Oh, oh, regarde ça! Oh, c'est une crotte. Burke, il a marché dedans. Allez, saute. Allez, saute. Ouais. Viens, Bud, Blackie ne le saura jamais. Redescends, il va te voir. Tu m'auras pas. T'as vu son corps, franchement? Il est carrément musclé. Oh, attends une seconde. On a de la visite. Ça suffit. Ça suffit. Ah, allez, non. Je te rappelle. Oui? Salut. Excusez-moi de vous déranger, mademoiselle, mais je cherche mon chien. C'est une sorte de clébard avec des poils. Et quelqu'un m'a dit qu'il l'avait vu avec un garçon qui s'appelle Owen et qui vit ici. Oui, c'est mon petit frère, ouais. Et ça ne me surprend pas. Il adore les chiens. Oui, moi aussi, je suis fou. Je suis fou des chiens et j'aimerais beaucoup retrouver mon chien. Vous occupez pas d'eux. Ce sont juste mes associés. Ouais, ouais. Et ils m'aident à retrouver mon chien. Ouais, et dès qu'on l'aura trouvé, on va le... lui donner une belle récompense, n'est-ce pas, les gars? Ouais. Je n'ai vu aucun chien ici. Mais attendez, je vais l'appeler si vous voulez. D'accord. Owen, il y a des gens qui veulent te parler. Owen. Il a dû sortir. Oh, il doit sûrement être dans son fort. Il rentrera à l'heure du dîner. Ah, son fort. Alors, au revoir. Oh, et... où se trouve au juste son fort? C'est tout en haut de cette colline. Là où vit l'homme des bois, c'est ça? Non, ça, c'est juste une histoire qu'Owen a inventée pour éloigner les intrus de son fort, voilà tout. Non, il n'y a rien d'autre là-haut que des serpents vénéneux, des tiques, des araignées. Des araignées. Allô? Il sera là. Je sais ce que tu vas me dire. Chad, Austin, va y aller, t'es sûr? Il y a des araignées.
Ne vous en faites pas. Si mon frère a trouvé votre chien, il est entre de très bonnes mains. Tu parles bien, okay. Non, c'est quelqu'un pour Owen. Tiffany m'a dit que lui. Au revoir. Vous voyez, patron, on n'a pas à s'en faire. Les diamants sont entre de bonnes mains. Oui, mais ils ne sont pas entre les miennes. Heureusement, il nous reste pas mal de temps encore. Attendez une minute. Le gosse doit venir manger, pas vrai? Ouais, c'est vrai, patron. Elle a dit qu'il reviendrait à l'heure du dîner. Et quand il reviendra... On l'attrapera. Oh, c'est notre Owen. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Regardez. Oh, le vol des diamants à Los Angeles. Et puis après? Je sais qui a fait le coup. Et j'ai des preuves. Juste là. C'est le chien qui les a volés? Non! Le chien est innocent. En fait, les voleurs devaient trouver un endroit où cacher les diamants et... Oh, oh, oh! Alors ils... Alors ils ont... Alors ils les ont cachés sur diamant. Cachés quoi? Les diamants sur diamant. Sur qui? Sur diamant, mon chien. Enfin, leur chien. Enfin... Oh, c'était leur chien, mais je vais le garder parce que j'ai dû... Owen, on n'a pas de temps à perdre avec tes histoires. Mais je vous dis la vérité. Mais c'est assez rocambolesque. Comme pour l'homme des bois, tu te souviens? Mais il y a un homme qui vit dans les bois. Il s'est échappé d'un cirque. Et il s'est fait ami avec le méchant Yeti, c'est ça? Pourquoi vous sauriez? Je vous dis que les voleurs sont ici, à Chennai. On t'a entendu. On va les avoir à l'œil, tu verras. Mm-hmm. Pas vrai? Mm-hmm. Vous voulez jeter un œil à tous ces diamants sur son collier? Owen, rends-moi un service. Contente-toi de livrer les journaux et arrête de les lire. Bien. Salut, Megan. Salut. C'est qui, ça? Ma nouvelle chienne, Diamant. Joli nom, Diamant. Je peux la caresser? Bien sûr. Donne-moi ton paquet. Diamant. Assis. Donne la patte. Waouh, c'est toi qui lui as appris? Non, elle est très intelligente. Oh, quel joli collier. Ouais, je sais. Elle l'avait quand je l'ai trouvé. Tu l'as trouvé? Ouais. Abandonné dans les bois. Qui peut être aussi cruel? Des voleurs de diamants. Qui? Des voleurs de diamants. Il y avait un article sur ces trois escrocs qui ont volé les diamants. L'un d'eux était une nonne qui en fait n'en était pas une. Et elle, je veux dire... Il s'est servi de diamants pour amener les diamants jusqu'ici. J'ai dû aider Diamant à s'enfuir. Et c'est devenu ma chienne. Tu veux dire que les diamants de son collier sont des vrais? Oui! Et ils valent 5 millions de dollars. La police m'a pas cru non plus. J'ai envie de te croire, mais... Tu sais, tu devrais devenir écrivain. Tu as beaucoup d'imagination. Ouais, Owen. Essaie d'imaginer ce que je vais te faire sur le champ. Salut, Megan. Qu'est-ce que tu veux, Dexter? Je t'avais dit de rester loin de ma copine. Pas vrai? Je suis pas ta copine, t'entends, Dexter Klopp? Quel sale voleur! Comment tu m'appelais? T'es qu'un sale voleur. Qu'est-ce que tu vas faire, cogner une fille? Ouais. Vas-y, frappe-le! Ouais, Dex, il l'a mérité. Vas-y! Ouais, vas-y! Ouais, vas-y! Hey, c'est pas juste! Ça t'apprendra à t'approcher de ma copine! T'as un petit poids à la place du cerveau! Il arrive même pas à se relever. Oh.
on se reverra. Tête de nœud. Tu perds rien pour attendre. Ouais, tu vas le regretter. Patron, regardez le rejeton. Oh, et le clébard. Vite, fais demi-tour. Owen, mes courses. Désolée, je dois y aller. Diamant, viens. Vite, viens par là. Allez, continue. Sécurité ici. Oh, oh non, c'est pas lui. Qu'est-ce que t'as? On dirait bien que personne va nous aider. On est tout seul. La première chose qu'on doit faire, c'est cacher ces diamants. Ensuite, on prépare le fort. Juste au cas où. Allez, viens, on a du pain sur la planche. T'éloigne pas autant, enfin. J'ai eu très peur. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as vu quelqu'un? Ça va aller. L'homme des bois sait que je viens ici. Jusqu'à présent, il m'a rien dit. Non ! Diamant, c'est Schlingos !
t'avais prévenu. Tiens là, fais-moi voir. Et voilà, t'es soigné. C'est quoi ça? Comment tu t'es fait ça? Dès qu'on se rassure que ces types sont loin, je t'emmènerai chez le véto. Dors un peu. Tu guériras plus vite. Diamant! Des bois. Il m'a donné ses épines de hérisson en échange du beignet. Ça doit être dur de vivre ici tout seul. Je suis sûre qu'il t'aime bien. Et tu l'aimes bien toi aussi, hein? Viens, Diamant. Oh non! Je vais être en retard pour dîner. Si ma mère appelle et que je suis pas entrée chez moi, elle va me punir. Ok. Reste ici. Si quelqu'un vient, tu te caches, d'accord? Allô? Ah, salut maman. C'est drôle. Oh, ouais, maman, il est là. Il cherche des bestioles dans la pelouse. Tu le connais? Ouais, une seconde. Tiens, Tarzan, c'est ta maman. Salut, maman. Hé, hey, garde tes sales pattes. Non, pas toi. Maman, si un chien... Un chien très gentil. Un chien super cool. Un chien qui fait pas de bruit, qui est sage, qui fait pas ses griffes sur le sofa, qui reste toujours au pied. Si un chien de ce genre m'avait suivi... Est-ce que... Mais maman!
Et c'est de ma faute si elle est allergique. Et si je le gardais dans ma chambre? D'accord, maman. Je sais, oui. Lily est plus importante. Bye. Je ne peux rien y faire, Owen. Je suis née avec des allergies. Laisse-moi deviner. Même si tu raffoles de ma cuisine, tu dois retourner vite fait au fort. Alors, ce chien, qu'est-ce que tu peux me dire de lui? Quel chien? De quoi est-ce que tu parles? Je suis au courant, Owen, je sais tout. Ses maîtres sont venus le chercher aujourd'hui. Qui? Quoi? Quand? Eh oui, ces trois drôles d'individus. Oh, et je dirais que le plus bizarre avait l'air fâché que tu lui aies emprunté son chien. Et qu'est-ce que tu leur as dit? La vérité que tu tiens ton fort. Et tu leur as dit où il se trouvait? Non, qu'est-ce que tu crois? T'as des ennuis, Owen? Et si c'est eux, qu'est-ce que je leur dis? Que j'ai déménagé. C'est ça, ouais. Que je suis allée vivre à l'école, voilà. Quelle brillante idée! Ouais, tu vivais ici ce matin, mais tu as déménagé. N'en ouvre pas, Lily! Tu ferais mieux de leur rendre le chien, Owen. Vous êtes en avance! T'es encore en train de faire du babysitting? Oh, regarde! C'est le bébé qu'elle garde! Hé! Hey, les mecs nous attendent! Alors, tu sors? Écoute, inutile de me faire la morale. Voilà, pas un mot aux parents. Et je ne leur dis pas que tu caches un chien dans ton fort. Dès que ça roule. Oh! Comment il s'appelle? C'est une chienne. Je l'ai appelée Diamant. Un joli nom. N'oublie pas de fermer la porte. Ah. Ok, c'est bon, on y va. Okay. Allez, on y va. T'as vu, il est mignon, hein? Je suis super excitée. Vous voyez ça, patron? La grande sœur s'en va. Et quelqu'un vient de baisser le store. Le gamin est chez lui. D'accord. Dès qu'elle aura tourné les talons, on passe à l'action. Quelle horreur! Vous êtes obligé de vous engloutir ces sandwichs au hareng? Et ces beignets au flash au lait? Oh non, ça suffit. Je sors, c'est fini. Ouvre la tête, allez. Oh, vous voulez que j'y reste, c'est ça? Oh. Vous en faites pas, patron. Je vais quitter cette odeur. Non! N'allume pas cette... Allumette. Salut à toi. Et notre cher chien, comment se porte-t-il? J'ai pas volé votre chien, je le protège de vous, c'est tout. Ah oui? Alors tu n'as pas à le cacher parce que je te le donne. Mais avant, il faut que je récupère quelque chose. Vous voulez les diamants volés? J'ai lu cet article dans le journal. Bien, donc ils seront... Écoute-moi un peu, j'ai risqué ma vie pour ces cailloux. Alors, on peut régler ça gentiment? Ou... Je serai forcé d'être un peu méchant. Un peu méchant, un peu méchant. Diamant! Ah! 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 Ah
français, bande de mauviettes. C'est Bud la mauviette, pas moi. Oh, allez, tu peux parler, poule mouillée. Dépêche-toi. Je veux de l'eau. Je veux de l'oxygène. Et je veux ces diamants sur le champ, où on n'arrivera jamais au relais routier pour notre rendez-vous à temps. Hé, hey, regardez ça. Hé, reste là. Ah, je parie que les canettes sont vides, hein? C'est un attrape-nigo, voyons. Un piège se déclenchera à la seconde où on les touchera. Ah, ah l'espèce de petit. Les gars, laissez-moi vous montrer le genre de menace auquel on devra s'affronter. Observez et retenez. Tu vas voir ce que tu vas voir. Diamant. 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 Hé, hey, viens par là. Tu m'as sauvé la vie. Soldat, il est temps de se préparer au combat. Donne-moi deux de plus. Encore une. Approchez, qu'est-ce que vous attendez? Ce gosse n'est pas normal. Ah, ça non. Plus vite! Allez! Attention! Allez! Je vais devenir fou! Calmez-vous, chef! Attendez! En position, diamant. Défendons-nous. Que vous êtes sur son territoire. Il n'y a aucun homme des bois. Ta propre sœur nous a dit que tu l'avais inventé. Et vous l'avez cru? Mince, vous êtes encore plus bête que je croyais. C'est votre dernière chance de battre en retraite. Je n'irai nulle part sans les diamants, d'accord? Ok, mais vous aurez été prévenus. Ouh, ouh. Oh, hey, regardez ça. Il joue les soldats en culotte courte. Ah. C'est un coup de chance, patron. Ouais, allons l'attraper. Ouais. Oh!
Arrête ton cinéma, Archie. Ce gamin est... Il est malin. Il nous faut un plan. On a déjà un plan. Ouais, on veut rentrer chez nous. Tu as entendu ça? Ce sont 5 millions de dollars qui aboient. Et vous, vous voulez rentrer chez vous? C'est quoi le plan, patron? Vous verrez. On va attaquer le fort de trois côtés, d'accord? Bud ira sur la gauche, Artie sur la droite, et moi, j'avancerai tout droit. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? De ce côté-là! De ce côté-là! Ah, on arrive trop tard. Il s'est enfui. On va fouiller. Je sais que vous êtes là tous les deux. Toi et mon clébard. On continue. Chut. Ils sont juste là. Allez. Va-t'en, diamant. Prends les poissons là. Je t'ai trouvé, saleté de Kleps. Tu trouves ça drôle? On peut trouver un accord. Je suis là. Chut, par là, ouais. Hey, Bud, ça va? Fais attention au pygmée. Quel pygmée? Ces pygmées là. Tu la ramènes plus là. C'est bon, vous tenez le bon bout. Ça va, patron? Non, ça va pas, espèce d'imbécile heureux. Trouvez-moi quelque chose de confortable où m'asseoir. Oh, il faut un truc bien moelleux pour ces petites fesses endolories. Oui, c'est vrai. Voilà, ce sera comme vous asseoir sur un nuage. Oui, doucement, les gars. Est-ce que votre doux fessier est à son aise? Qu'est-ce que vous faites? Trouvez-moi ce chien! Tranquille, patron, on va le retrouver. Vous me cherchiez? Oh, le gamin! Cette fois, on le tient! Non! C'est bientôt fini, tout ce vacarme là-dehors! Vous l'avez trouvé?
Vous en avez eu assez? Souriez! Ça doit être avec ça que le gamin réussit à monter là-haut. Fais gaffe, c'est peut-être un piège. Pas cette fois. Tiens la corde. Oups. Avalanche! On a été plus futé que lui cette fois. Alors laissez-la tranquille. Eh bien, il s'en fallait de peu. Moi et ma chienne, on doit discuter. Oh, écoute-la, elle est si contente de me voir. Elle vous déteste. Et moi aussi. Pas pour longtemps. Parce que tous les deux, vous avez rendez-vous avec mon grand arrêt, hein? Aïe! Oh. Par diamant! Oh. Bien, pose ce bâton, d'accord? La guerre est finie! C'est sûr? Ouais! Tu as perdu! Je n'ai pas de temps à perdre avec des enfantillages! Je dois retrouver quelqu'un à minuit! Et je ne dois pas être en retard! Aïe 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 aïe. Oh, ça y est, reste avec moi maintenant. On a le toutou. 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 Cette fois, cet immonde sac à puce ne s'échappera plus. Tenez-la bien, les gars. Oh, le couteau, patron. Qu'est-ce que vous allez lui faire? T'inquiète pas, petit. Elle ne sentira rien du tout. Plus jamais. Qu'est-ce que tu as fait de mon paquet, Rocheton? J'ai dû la soigner, elle était blessée. Relâchez-la et je vous dis où sont les diamants. D'accord. Tu me montres où tu as caché les diamants et toi et le sac à puce serez libres. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Tu crées une inondation ou quoi? Une inondation? Ça suffit! Allez l'attacher immédiatement! Je les ai cachés là, dans le bateau. J'espère que c'est pas un de tes sales tours. Bud! Arty! Allez voir ça. Plus vite que ça!
ce truc? Alors, les cailloux sont là, oui ou non? Tout ce qu'il y a dans ce bateau, ce sont des tonnes de colle, patron. Ah oui, je vois. Je t'ai laissé une chance. J'ai risqué ma vie pour ces cailloux, tu piges? Il me faut ces diamants maintenant. Oh! Je les ai trouvés, patron. Oh, t'en es sûr? Apporte-les-moi. On est collés, patron. Attrapez. C'est quoi encore cette plaisanterie? Quoi? Comment ça? Ce sont vos diamants? Ce collier n'a aucune valeur. C'est de la pacotille que je me suis achetée à l'aéroport pour célébrer la réussite du vol. C'est du toc? Mais je croyais que... Ça veut dire que... Que les vrais cailloux... Oui. Sont toujours dans le chien. Comment ça, dans le chien? Laisse-moi te montrer ça. Oh! Non! Ne lui faites pas de mal! Oh, je ferai ce que je veux. Qu'est-ce que tu crois, hein? Allez, patron! Non! Non, tu ne l'auras pas! Maintenant, c'est ton tour! Chopez-le! Allez-y, chopez-le! Ouais! Allez-y, patron! Tu dois tenir le coup, Diamant. Tu dois lutter. Poussez-vous de là! Poussez-vous de là! Poussez-vous de là! C'est ça, les gars, poussez! Pousse-toi! 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 Ne reste pas là! Allez, jette-le! Détache-la! Allez! Oh.
Vous avez déjà choisi? Oui, ma belle. Je voudrais un avocat. Et qu'il soit très bon. Je vais prendre la même chose. Oh, et un sandwich et une grande frite. À emporter. Les mains en l'air. Owen, t'as vu l'heure qu'il est? Où est-ce que t'étais passé? On a besoin de ton aide. Maman, papa, vous êtes là. Trésor, on est venu dès qu'on a eu le message de Lily. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Fiston, tu veux bien me suivre? Ils peuvent m'accompagner? Oui, évidemment. Je fais une crise d'allergie. Je vais vous attendre ici. Suivez-moi. Mon grand, ta chienne est juste là. Viens. Diamant! Elle va se rétablir, ne t'inquiète pas. À qui est ce chien? Tu as été très courageux, Owen. Jeune homme, on est fiers de ce que tu as fait. Qu'est-ce que t'as fait, Owen? Il a épinglé 3 dangereux criminels. Il a aussi sauvé la vie de cet animal. Si je n'avais pas retiré ceci du ventre de la chienne à temps, elle n'aurait sûrement pas survécu. Du ventre de la chienne, vous dites? Je comprends rien du tout. Les voleurs se sont servis de cet animal pour que les diamants passent les postes de sécurité. Oui, les voici, chef. 5 millions de dollars de pierres précieuses. Viens là! Ramène-les tout de suite à la centrale. Votre fils est un vrai héros. C'est grâce à Diamant tout ça. Sans oublier l'homme des bois. Qui ça? L'homme des bois, voyons. Il m'a sauvé la vie. Ton homme des bois existe bien et il ne s'est évadé d'aucun cirque. Ah non? Non. Son nom est Carl Westmeister. Il vit dans les bois depuis de nombreuses années. Depuis que sa femme est morte dans un accident de voiture et qu'il a été grièvement brûlé en essayant de la sauver. Oui, il est assez effrayant, c'est vrai. Mais croyez-moi, il est doux comme un agneau. C'est mon ami aussi. Et celui de Diamant. T'imagines, ma jolie? Pendant quelques heures, tu étais la chienne la plus riche du monde. Elle l'est encore, mon cœur. Parce qu'elle t'a rencontrée. Alors je peux la garder? Shadow te manque, je sais. Elle me manque aussi. J'aimerais beaucoup qu'on puisse garder cette magnifique chienne, mais... Je sais. Les allergies de Lily. Shadow me manque aussi. Et... Si Diamant peut tous nous rendre à nouveau heureux, alors... On se fiche de mes allergies.
Tu viens de me donner une idée géante. Lily m'a fait réaliser qu'il existait une personne qui avait plus besoin de diamants que moi. C'était pas une chose facile, mais c'était ce que je devais faire. Ça va aller. Tu seras toujours ma chienne. Mais c'est pour Lily. Et pour l'homme des bois. Je viendrai te voir tous les jours. Je te le promets. Je t'aime, Diamant. Vas-y. Tu dois aller chez toi. Tu l'as vu, celle-là? Patron, vous ratez tout! Tais-toi! Tu sais à quoi ça me fait penser, Bud? On dirait un tas de... Ouais! Tout un tas de petits diamants qui flottent dans l'air.